Kenny, félicitations. Merci. Vous avez réalisé une belle performance dans cette entrée de tournoi. Ouais. Ouais, c'était un bon match. C'était un bon match contre. Contre un bon joueur où on s'est déjà joué pas mal de fois. Je crois qu'il mène 2-1. Et là, je reviens de partout. Et voilà, non, c'était solide. J'ai fait des bons enchaînements au filet. Il a eu du mal à retourner. Il était gêné. Et ouais, je l'ai pris un peu de vitesse, quoi. Voilà. Oui, on a senti que, notamment sur vos revers ou sur les retours de service, il a eu du mal, lui, à enchaîner derrière. Ouais. Puis quand il y avait un échange, Je le prenais à la gorge et donc c'était. J'ai joué un peu plus vite, il avait moins le temps de s'organiser. Et donc j'ai creusé l'écart. Quoi. Vous vous attendiez à un match aussi simple, c'est pas le terme, parce qu'un match n'est jamais facile, mais à le dominer autant finalement sur ce match. Vous n'avez pas le sentiment de l'avoir autant dominé peut-être. Voilà, c'est la première fois que je gagne en 2-7 plutôt sec au niveau du score. Après, je suis allé le chercher, le match, j'ai vraiment joué tous les points et ça s'est bien enchaîné pour moi. Après, je savais qu'il était capable de très bien jouer. Mais après, moi, j'ai fait une bonne semaine la semaine dernière avec des bons matchs. Je savais ce que je faisais sur le terrain, donc j'étais conscient que voilà, que je pouvais... Enfin, j'étais confiant dans mon jeu, quoi. Après, j'ai joué mon jeu et ça a payé, quoi. Avec toujours le service aussi, un de vos points forts, vous l'avez aussi amené, même si lui sert très bien également. Ouais, je dirais que j'ai bien retourné aussi. J'ai bien retourné. Ouais, j'ai été bon dans tous les compartiments, je me sentais bien physiquement, je me suis bien déplacé. Donc c'est bien pour la suite. La suite, justement, il y a eu le tournoi de Metz, vous avez réalisé quelques belles performances. Ouais. Il y a cette semaine aussi, vous êtes fixé un objectif ou là on voit étape après étape cette semaine. Là c'est vraiment match par match quoi. Après je sais qu'avec mon jeu, enfin avec ce que j'ai travaillé, je peux battre tout le monde. Mais après il faut enchaîner les matchs et on verra ce qui se passe parce qu'après tout le monde joue bien et sur un match tout peut se passer donc on verra bien. Mais après je me sens bien, la santé est bonne, donc tout est bon. Merci beaucoup. Ouais. On a le sentiment que vous n'êtes jamais vraiment rentré dans le match. It feels like you never come into the match. Okay. What is the question? Est-ce que, comment dire... comment ça se fait que vous êtes passé à côté de ce match? How can you explain the fact that you didn't win today? He was playing good, first of all. Il jouait bien, he déjà. Was playing really, really well. He was serving well. Il jouait it bien. It was tough to return the serve. Il servait bien. C'est difficile de retourner son service. I made a terrible game on 4-all first set. I made unnecessary mistakes on forced errors. I gave him a present that game. He felt more confident the second set because always when you're in the first you feel better in the second. So I started the second like I finished the first very slow and I gave him again another present early in the second set. And yes, and since then it was difficult to come back because he served well and I didn't. Oui, bah en fait j'ai fait certains jeux qui étaient vraiment très mauvais. On peut dire que je lui ai donné un cadeau et donc au premier set et donc au deuxième set, il s'est senti beaucoup plus confortable. C'était beaucoup plus difficile pour moi de pouvoir jouer. Il jouait bien, il servait bien, donc c'était difficile pour moi de pouvoir lui rendre son service et voilà. On vous sent vraiment déçu.
You look really disappointed. I'm always disappointed when I lose a match. Je suis toujours toujours déçu quand je perds un match. Especially I don't like to disappoint the tournament because they made an effort. They gave me a wild card, which I really appreciate. And I need to win these matches. I need to get points. I need to get back into the top 100 as soon as possible. But of course, if I play like this, it's not gonna be. It's not easy in general. But if I play like this, it's not gonna happen. So of course, I'm disappointed. Bien sûr, j'aime pas déjà décevoir le tournoi qui m'a donné une wild card. Donc j'aurais dû gagner. J'aurais dû aller loin, pouvoir remonter dans le top 100. Et voilà, ça peut être facile, donc bien sûr, je suis déçue. Ok. Thank you very much. Thank you. Yeah, so you said the tournament gave you the wild card. How did it feel for you? Because here in Orléans, we're very happy to have you here and to know that you were former top 10. It was a very, very good thing for us. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez eu la wild card? Parce que c'est vrai que pour nous c'était vraiment une très bonne chose. Vous êtes un ancien joueur du top 10. Oh, it was a great effort from the tournament. I was in contact with the tournament director already for a longer time because I knew in advance that I don't want to go to Asia. That I want to stay in Europe. I played last week in St. Petersburg and this week I was planning to play Orléans. So it was really great and I appreciate it a lot for the tournament gave me a wild card. I always played well in France. You know the results. I played semis here in the Grand Slam. It's my best Grand Slam. I won 2 ATP events in France, so I enjoy playing here. So I was hoping to play a little bit better here, but it's sport. You know, you can expect certain things, but sometimes it happens also. Oui, bah c'était. Ça fait longtemps que je suis en contact avec le tournoi, puisque je savais que je voulais pas jouer en Asie. Donc j'étais vraiment très content. J'ai vraiment apprécié le fait de recevoir cette wild card. Je sais que d'habitude je joue vraiment toujours très bien en France, et j'étais heureux d'être ici. Et j'espère que ça sera mieux les prochaines fois. What are your plans for till the end of the year? Quels sont vos plans pour la fin d'année? No, I'm going to practice for a couple of weeks and then I'm going to play probably or Stockholm or Antwerp or Moscow, probably qualies, then Vienna qualies and then Paris qualies, because I'm going to use my last protected ranking of the year in Paris qualifying. Donc là je vais m'entraîner pendant quelques semaines et puis ensuite jouer à Stockholm et puis Paris en qualification pour utiliser mon dernier classement protégé. Maybe we will be able to see you back here in Allianz in the future. First of all, you're going to see me in Paris. Yeah. So some people can see me in Paris, but hopefully, yeah, back in Allianz. Donc peut-être que vous, en tout cas déjà vous me reverrez à Paris avant de me revoir à Orléans, mais peut-être à Orléans plus tard. Thank you very much. Thank you.